Hmm. Ouais, c'est pas mal vraiment. Alors, comment je pourrais décrire Ah oh, déjà, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. un enfin, bon, moi, je fais pas de vidéo. Je suis désolé, c'est parce que j'ai plus de couteaux. <laughs> J'en ai vendu pas mal pour acheter les deux là que je vais présenter prochainement. Et puis, même, j'avais pas trop en fait de quoi parler entre guillemets. Parce que bon, au bout d'un moment, on fait le tour un peu en test des couteaux, on parle de certains sujets, mais après, je sais plus trop de quoi parler en fait. Au bout d'un moment, mais bon, c'est bien du coup d'avoir un peu de nouveauté. Donc aujourd'hui, petite présentation. Ça c'est quoi Ça c'est le Hammer Chab. Couteau, titane, manche titane, lame, je sais pas, j'ai mis du scotch parce que ça coupe. Il fait 120 grammes, euh, il est très neutre. Vraiment, il flippe super bien. J'ai aucun problème pour faire peu importe les figures que je veux faire. Pas forcément dans mes préférences, mais vu ce qu'il fait, je peux pas du tout me plaindre. Il de grippe. Genre là, il y a vraiment beaucoup de grippe ici pour le fanning. C'est incroyable. Euh, en bas, pour les laders, pareil. Genre ici, il y a du jing-ping. Ça accroche tout seul. Une fois qu'on arrive vers le bas, moi j'ai un peu de mal parce que je les fais un peu plus haut les miens, mais normalement, il faut le faire comme ça. Sur le bout, ça accroche vraiment, genre, sur le doigt. Du coup, c'est vachement bien pour ceux qui aiment bien faire des laders. Euh, moi j'aime bien, mais je sais pas trop les faire, donc voilà. Euh, toutes les autres figures, le fanning ça passe. Franchement c'est pas mal aussi. Je sens que je ne peux pas faire autant que d'autres euh, couteaux que j'ai mais c'est quand même très très bien. Aérial ça les fait tout seul. Quand on jette bien le couteau. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh, Alors oui les rollovers. Les rollovers ils sont très bien sur ce couteau. C'est juste qu'il faut pas les faire trop brutalement. Parce que en fait, le couteau ralentit au bout d'un moment. Et du coup, bah en fait il peut partir. Chaplin, ça passe aussi très très bien. Pas aller trop vite. Ça dépend de l'angle qu'on a, genre euh, en Chaplin normal, là, Comme ça, c'est très très bien. Mais si on commence à faire des, des trucs dans un autre sens, genre euh, les 0G, c'est un peu plus compliqué. Moi déjà, j'ai du mal. Alors, couteau mettre plus que d'autres, c'est pas mal aussi. Mais le jeu de couteau que j'ai présenté après, genre, il est fait encore mieux. Mais celui-là, il, il peut quand même faire des trucs assez sympas. Moi, j'ai l'habitude de faire cet enchaînement-là. Donc En gros, c'est un 0G. Euh, tout. Euh, thumb euh, Chaplin. Donc, en gros, je fais un, un Chaplin comme ça. Ici. Donc, ça fait comme ça. Et à partir de là, hop. Plutôt que de faire juste un. un comment ça s'appelle Behind the Eight Ball me dis c'est quand même plus sympa de passer directement en Tom chaplin c'est plus dur c'est quelqu'un de la communauté d'ailleurs qui m'a qui m'a fait penser à ça euh, je me rappelle plus de ton prénom je suis désolé <laughs> mais bon tu vas te reconnaître si tu vois la vidéo merci à toi en tout cas parce que j'aime beaucoup le trick genre il est pas facile à faire mais quand on le fait c'est très satisfaisant l'enchaînement est vraiment pas mal et ouais voilà euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme technique Je sais même pas trop. Ouais, les aériels aussi, ils sont pas mal. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Euh... Je ne sais pas ce que j'ai essayé de faire là, mais <laughs> bon, ils sont très très bien aussi. Euh... Donc au niveau des tricks, c'est très très bien. Qui s'accontenterait Je pense que ça contenterait beaucoup les personnes qui adorent le neutre, couteau très neutre. Euh... Pour certaines figures, il manque un petit peu de poids sur le bout, parce que là, c'est un peu une, une forme simtar. Mélangé avec un Bowie Parce que le Bowie il est plus court je crois ici Ou alors c'est un Bowie j'en sais rien Il appelle le Bowie aussi mais moi je préfère dire Simtar Parce que le vrai Hammer, enfin ça c'est le Hammer Chab Mais le vrai Chab Il a euh, du coup une lame qui est plus pro je pense, qui est plus large Et du coup c'est plus agressif Si je me trompe pas j'ai plus le J'ai plus de Chab, je peux pas comparer J'aimerais bien plus tard euh, comparer du coup le Chab De The One avec celui là Le Hammer Chab et arriver à voir euh, du coup euh, si c'est vraiment le poids qui fait la différence ou si c'est la répartition de l'équilibre euh, par rapport à la lame en fait qui, qui change dessus. Euh, donc je disais, c'est un couteau 120 grammes, le hardware il est arrivé super. Genre là en fait il y a du mouvement, mais je sens pas le petit clic-clic. Euh, ça faudrait que je l'explique, mais en gros, quand le bushing il bouge, quand il y a du, un petit peu de jeu. Ça fait. Euh, C'est comme un coche en fait, ça fait clac, clac. Là, ça sent. Clac, clac. C'est comme si la partie en métal, en fait, cogne sans faire de bruit. Ça fait un, un petit. Un petit choc. Et ouvert, en fait, ça le fait pas. C'est très bizarre. Genre, quand je fais comme ça, je le sens pas du tout. Sur l'autre couteau, je le sens direct. Quand ils sont bien tunés, mais celui-là, je le sens pas. Et il est arrivé aussi euh, tuning, hors de boîte. Parfait. Mais j'arrivais pas à faire mieux. J'ai pas réussi, j'ai flingué un bushing, je crois. Euh... Mais j'arrive pas à faire mieux. Il flippe très bien, il est très maniable. Une fois qu'on s'habitue au poids, moi je suis plus habitué à l'autre du coup que j'ai présenté plus tard. Mais ouais, il est excellent. Couleur verte, il y a plusieurs coloris. Il y a celui-là, je crois qu'il y a un bleu foncé, argent, il me semble que c'est tout. Noir, il me semble qu'il y a un noir aussi, ouais. Je vérifierai, je mettrai euh, peut-être des photos, un truc comme ça au montage. Le hardware c'est du T8. Enfin euh, ouais, T8. Et on peut mettre des vis M2.5 de remplacement mais c'est compliqué à trouver chez nous. Je pense qu'aux états unis eux, ils en ont trouvé parce que j'ai vu qu'ils ont des vis titane qu'ils arrivent à adapter euh, pour remplacer. J'ai entendu parler sur Edit, après je sais pas si c'est vrai. Mais nous en France on va un peu galérer à trouver euh, des trucs adaptés quoi, pour ce couteau. Euh, du coup je disais ouais c'est assez neutre donc ça contentera beaucoup les personnes qui aiment le neutre je pense que ça contentera tout autant les personnes qui aiment le poids qui est plus sur le manche que sur la lame et même pour moi qui préfère le poids plus sur la lame c'est un excellent couteau pour vous dire à quel point genre il fait le taf celui-là et c'est même pas il fait le taf en fait il fait le café il fait ce que vous voulez hein. j'arrive à faire des tricks dessus que j'arrivais pas du tout à faire sur d'autres genre le truc quand je fais comme ça en fait c'est un truc freestyle mais ça passe tellement bien sur ce couteau, genre... Euh, c'est... En gros le, le trick, c'est que je fais une sorte de finger chaplin à l'envers comme ça, je l'arrête. Je le fais juste passer en fait euh, sur mes doigts comme ça. Donc là, il est mal passé, mais en gros, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ah Hop Donc je fais comme ça. Et je ramène le couteau et en fait je l'attrape plus loin. Et je fais juste ça. Et sur ce couteau-là, genre... Euh, je crois que c'est le couteau où ça passe le mieux. C'est un peu compliqué parce que la masse, elle est bizarre. Enfin, la, la répartition de la masse n'est pas prévue pour faire ce genre de mouvement et je crois qu'il n'y a aucun couteau qui arrive à faire ça de manière naturelle. Mais sur celui-là, avec sa légèreté plus son équilibre, ça passe très très bien. Ce qui ne marche pas sur beaucoup d'autres couteaux. Et ouais, voilà, en vrai, c'est un couteau euh, qui fait solide. Il est tombé quelques fois, genre, et euh, quand je dis tombé, c'est genre, euh, de là, il a fait boum, par terre. Il s'est pas abîmé, hein, évidemment, parce que j'ai pas un sol vraiment dur. Et en plus, genre le, le tuning, il a pas bougé. Genre, les vis, elles sont restées fixées et, et ça flippe toujours aussi bien. Les tolérances sont exactement les mêmes comme avant. n'ai pas eu à le resserrer ou quoi. C'est vraiment cool. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas à changer les, les vis, on n'aura pas à tuner les bushings hors de boîte. Il Faudra juste trouver les bons bushings dans les quatre en fait qu y a les deux dedans plus les deux qui donnent en rab. Et bah en fait, vous êtes prêt à flip. Ce qui est assez impressionnant avant, c'était pas comme ça. Et ça vient dans une boîte comme ça, en fait, où il y a une mousse avec euh, le truc noir à la con, plus l'hardware et un tournevis que j'ai gerté. Donc ça fait une petite boîte de présentation après, euh, où on peut mettre le couteau. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Moi je le prends comme ça et je le mets en présentation dans un coin, je le ferme et je le réouvre quand j'ai envie. Puis après je mets le l'autre couvercle, voilà, je le laisse comme ça et je fais un truc présentoir, je trouve c'est pas mal. Mais ouais, voilà. Euh, au niveau du prix c'est dans les centaines d'euros. On peut le trouver à 100 euros. Je l'ai trouvé à moins moi parce que j'avais une réduc. Mais ouais sinon c'est aux alentours de 100 avec la livraison 105. Classique avec les couteaux titanes Et du coup pour finir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ça, de ne pas prendre un autre, parce que c'est un design en pinless et en sans zen nipple. En fait le zen nipple c'est le truc qu'il y a ici normalement pour que les manches puissent se caler dessus. Donc là c'est un design où il n'y a même pas de zenpin, donc il n'y a rien ici. Et il n'y a pas non plus de truc ici. En fait là c'est carrément le manche directement qui cogne sur la lame des deux côtés. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait que ça fasse du handle slap ici parce que le jeu il n'est pas énorme et qu'on a pu regarder. Là on aura l'impression que ça pourrait en faire. Mais je peux vous garantir que ça va mettre du temps. Vraiment, moi j'attends, hein, je vais voir combien de temps ça va prendre mais je pense qu'il n'y en aura jamais à mon avis. Parce que c'est un matériau, bon, c'est du titane sur de l'acier, mais il faut pas déconner, ça reste du métal. Hein. Pour que ça fasse vraiment du handle slap, il faut du temps. Et le fait que ça se touche quand j'appuie fort comme ça, bah c'est juste parce que le matériau est assez souple en fait pour le faire. Et j'ai exactement le même truc quand je prends par exemple mon rep ici, mon rep modé. Vous voyez, là le jeu, il est plus grand que celui-là. Pourtant, je peux appuyer, appuyer un peu fort, hop, ça touche. Mais ça, il y aura jamais de handle slap en fait. Parce que le matériau dessus c'est de l'acier sur de l'acier et ce qui store ici bah, c'est en fait le liner c'est le manche et je pense que c'est exactement ce qui se passe avec le titane le titane est souple mais solide à la fois et du coup en fait ça fait que bah, genre quand on appuie il y a une sorte de jeu comme ça et ça pourrait faire penser que à terme bah, en fait le comment s'appelle le... les tolérances en fait elles vont diminuer et à force ça va faire du coup ce truc où ça va taper mais ça m'étonnerait ça serait vraiment le seul point noir potentiel. Mais il n'y en a pas en fait. Parce que bah, pour l'instant, je crois que le, le jeu... On m'a dit sur Reddit que ça va creuser un peu. Le jeu va se réduire. Enfin, le, la distance va se réduire. Ça a déjà commencé. Mais pour que ça aille vraiment taper, genre... Faut vraiment que le truc soit abîmé. Et bah en fait, il n'y a que des traces là, quoi. Et là, pareil, genre c'est le titane qui a commencé à vite fait se creuser à cause de l'anodisation. Je pense que c'est ça la différence, en fait, qui a fait que ça a réduit. Mais ça va pas, pour moi ça va pas, comment... enfin, pour moi, ça va pas continuer à se faire. Donc ouais, voilà. Je voulais faire un truc un peu court parce que bah, si c'est trop long, c'est chiant pour vous et pour moi après pour le montage. Donc ouais, je pense que j'en ai dit ce que j'avais à en dire. Excellent couteau. Potentiellement, euh, bah, le chab. Je suis pas sûr de ça parce que je l'ai pas. Mais euh, vu ce qu'il fait, avec le poids, avec les matériaux et vu qu'il n'y a pas de tuning à faire euh... et le design aussi qui est excellent, bah potentiellement ouais, potentiellement j'achèterais ça à la place d'un Chab, parce que le Chab en plus normal il est, il est trop lourd, 140 grammes contre ça qui fait 120, il fait le même poids que mon Rep alors que mon Rep je l'ai dû bien le moder, il coûtait plus de 250 euros. Euh... Ça, ça m'a coûté 100, même pas... Euh, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment bon pour le prix qu'on en paye. Donc, voilà. J'espère que ça vous a suffi. <laughs> si vous avez des questions, n'hésitez pas, de toute façon, en Discord, voilà, sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. Et en attendant, bah, moi, je vais me mettre au montage. Voilà. Il est tombé. De...